Quel bonheur d'être parmi vous aujourd'hui. Il y a 4 ans, on était assis dans mon ancien bureau avec un collègue qui est encore là, en face de moi, ami, en train de vous parler de l'éducation. On disait, il faut qu'on encourage le secteur. Vous voyez quelques initiatives, mais il faut qu'on encourage et qu'on fasse quelque chose, qu'on fasse une initiative et qu'on la porte. Un peu plus de 4 mois, juillet 2020. Et on avait 2 autres collègues qui étaient autour de la table, dont un qui nous dit, mais de quoi tu parles? On est loin. Ça n'existe pas. Ça ne va pas. Quelques mois plus tard, on est en train de travailler sur la stratégie du commerce. Avec Sehel, qui est là. Ils ont voulu raboter la partie technologie. On avait réinsisté pour qu'elle soit de. Quelques années plus tard, voilà. Sans start. S'il y a une fierté pour nous tous de répondre de manière intéressante, pas encore suffisante, à l'appel de sa majesté, de faire en sorte que notre pays d'abord rejoigne le pays émergent. Ensuite, on met en valeur les compétences de notre pays. On propose des solutions marocaines pour nous. Merci à vous tous. Sans à ceux qui ne vont pas y avoir répondu. C'est une fierté énorme et ça n'est que le début d'une belle aventure. Alors, les statistiques disent qu'il faut quand même multiplier ce chiffre par 10 pour avoir quelques victoires. Les débuts sont difficiles, on est à 100. La prochaine étape, c'est 1000. Bientôt, très vite, après 300 startups, n'est-ce pas? Alors, 300 startups, on arrive à 1000 en tout combien de temps? Si on est à 100 au bout de 2 ans, dites-moi tout. 3 ans? 5? 1 an. Voilà, j'aime ça, bravo! Allez-y! Des collaborations, des coordinations. Merci à l'INSSP de porter, d'abriter et de financer cette initiative.